Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du cube. La première s'étant extrêmement bien passée, on vous renvoie directement à la vidéo qui est sortie vendredi dernier. Les pics, la phase de build très rapide et la petite discussion sur le cube qui fait plaisir, ainsi que la première game. Là on est déjà à 1-0 comme vous pouvez le voir, si jamais vous voulez aller regarder la première game vendredi dernier, sorti à 18h. Et puis là on va essayer du coup de faire le 3-0 ou le 2-1, ce qui était mon call initial. C'était un bon deck de 2-1. Avant toute chose, anticipez la confiance, meilleur pouce bleu, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi, un tiers de ceux qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés, c'est dommage parce que vous regardez quand même les vidéos, n'hésitez pas, ça nous soutient énormément. Déroulez la description pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur le Discord est passé au niveau communautaire, partenaire, il y a pas mal de petites choses en plus, donc rejoignez le Discord, beaucoup d'entraide, et puis sur Twitch pour nous regarder en live pendant tout l'été, bien évidemment. Yes, merci au sponsor Playing My Magic Blazard, code ValetPN 2022 sur le boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci énormément à ceux qui le font, qui y pensent, et merci aussi à Instant Gaming, pendant le lien d'affilié dans la description, si vous passez par ce lien, ça nous soutient, vous payez vos jeux pas cher. Merci à tous. Jeudi 14 juillet. Jeudi 14, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fête nationale. Oui, déjà. Mais à part bonne fête nationale. Qu'est-ce qui se passe? On sera en live sur Beats. Cette fois pour Box Break du Double Master, c'est la hype, c'est la folie, vous voulez ouvrir des Brand 6, et ben ça se passe directement sur Beats, chez ValetPL. Tous vos achats seront reversés à une association caritative, aka la Croix-Rouge. Donc vous faites un bon geste et vous pouvez avoir des petits boosters Double Master. On les vendra par deux pour pas que ce soit trop long. C'est le but. Vous achèterez le thème. Deux boosters Double Master, vous pourrez peut-être les avoir moins chers qu'au prix du marché. Peut-être un peu plus cher, ça dépend. Nous, en tout cas, on les ouvre en live, on vous envoie le contenu le plus rapidement possible. Et tous les sous que vous allez mettre, ça sera reversé à la Croix-Rouge. On ne prend rien dessus. Donc voilà, venez sur Beats, jeudi 14. Sachant que les boosters sont à une valeur environ de 13-15 euros l'unité. Ouais. Et c'est quoi le prix de départ de deux boosters? 1 euro. 1 euro. 1 euro. Vous arrivez, il n'y a personne d'autre, c'est 1 euro le booster. C'est 1 euro pour toi, parti. Pour et moi, pour nous. Couper la clim, je te laisse appuyer sur mode deux fois. Parfait. Comme ça ne grésillera pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est le plaisir garanti. Au pire, vous passez juste un bon moment. Nous, garanti. On anime ça, on ouvre des boosters. Même si tu veux venir, mais ne pas acheter, tu viens, on propose un petit opening, en fait, quelque part. C'est juste un bon moment. Il y a des gens qui viennent sans acheter, vraiment, juste pour passer un moment. Et des fois, tu viens sans acheter et t'achètes. Ouais. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à venir nous voir et tout. On voit plein de nouvelles têtes à chaque live. Et donc ça fait très plaisir. C'est complètement gratuit, l'application. Hein. Aucune obligation d'achat, rien. Vous pouvez juste... On joue contre Loki. Joue contre Loki. Je me cague dessus, du coup. Non, t'inquiète. Ah, après, il est très RP, il a mis en plus Oko. Oki. Loco. Loki. Ouais, ouais. Ça fit. Ça fit tout à fait, ouais. Le personnage, je trouvais très, très similaire. Et très Okotière, c'est vrai. Bah, un peu vicieux. Ouais. Charismatique, cela un dit. Un peu genre... ouais. Mais charismatique. Mais charismatique. Mais vicieux. Caricieux. Vismatique. Vismatique. J'aime bien Vismatique. Vismatique. Ça fait Vismatic Vista. Vismatic Prista. C'est un land, ouais, mais il est bizarre. Bon, les poulets là, qu'est-ce qui est pas ça, quoi. En cube, ils sont tranquilles, les gonzes. Et gros, je te dis, à 11h45, là, tout le monde est à la playa. Ils sont à l'apéro, là. Putain. Ils sont en train de se quinter. C'est tôt. Hein. 11h45, c'est tôt. Et sans soleil. Je vous conseille pas. Faites pas. Mm. Vous allez passer une mauvaise suite de journée. Quand tu te quintes à 11h et que t'es en redescente à 17h, tu passes une très mauvaise soirée. Ouais. Mais t'as passé une super journée. Ouais, ouais, mais c'est moins naturel que de boire un coup le soir, subir un peu ta nuit. Ouais, une nuit un peu tournante. Ouais, voilà, mais au moins tu te réveilles le matin, pof, on passe une nouvelle journée. Ouais, let's go. Oh, Loki, Loki, on va lui mettre 2 Z, rien que pour ça. À bander. Oh, ça va pas être gain comme ça, ça va être annulé, j'espère. Moi, je vais la jouer, ma game. Moi, je prends... 2Z, let's go! Et après, on rencontre Ultimatum de Genèse et on perd 2. Allez, merci, Loki. C'est juste keep. Oui, on a nos couleurs, donc. Just keep. De quoi se plaint-on? De toute façon, les gens sont pas agressifs, donc. Moi, tu peux éphémérer l'Utri. Tu trouves un drop 2. Bah, on en a qu'un. Et il est pas ouf à blinker. Oh! 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 Oh, les deux dragons! Incroyable! Mec, ils ont fait un vol croisé comme ça. Jamais vu! Exceptionnel. On n'a jamais vu ça. C'est excellent ce que j'ai vu. Ouais, je vais pas garder pour Omnath. Hein. Je crois que j'avais fait Tiluvert. Ah oui, oui. Fils ça. Bien en rituel là, bien, bien mal. Bien tu comme vois. Il faut. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oh la petite forêt. Ce mec, ça me fout en l'air les lampes dépareillées. Ça montre que c'est le splash. C'est important.
Mais tu les avais récupérés ces landes-là, je crois que tu les avais pas. Si, j'ai pu les acheter après. Ah, d'accord, ok. Oh, véhément, le C'est monsieur. quand c'est mergeant. Véhémenti. Ça me permet de tuer peut-être son nom. Oh. Un peu là, Mais pépouze. tranquille, de quoi se plaint-on? De quoi se plaindrions-nous? Parfait. Alors Alors si lui, Lutri n'avait pas été raté. il a les couleurs pour jouer les ultimatums, la petite rampe et tout. Lui, je sens que ça pue du cul. C'est lui le 1. C'est lui le problème. Pas le 0-1. Petit On va style? pas lui montrer la montagne pour l'instant. Non. Que la montagne est belle. Ah ouais, tour prochain, tu faisais Elle est. éphémérer Lutri. Donc éphémérer sur Brigatier. Re-éphémérer. Lutri arrive. Tour d'après, éphémérer Rebound. Et mec, on va le faire. Ouais, mais ça prend un tour de plus. Toi et moi, on va le faire. Let's go, ensemble! Maintenant! Non, on va faire Célestus éphéméré, ça va s'arrêter là. Ouais, c'est bien déjà. Ça sera déjà très bien. Éphémérer, ça fait quoi? Ouais, c'est rebond. Hein, ça. Oui, bah, Rebound. Oh ah ouais. non! C'est étonnant, c'est bien comme carte. Et tout là, mon bien. Ben, on Rouge, tu les tues? va. J'ai un peu le seum, ça me. Tu vois, un Ouais. peu. Tu peux exiler son truc. Eh ouais. Tu peux enlever sa bête, par contre. Eh non, on va pas le faire. Non, mais tu peux, ça lui enlève un land et une bête. Ouais. Un marais simique, d'ailleurs. J'ai comme une espèce de déception qui m'habite. Viens-moi une petite plaine, je crois. Non, il faut deux blancs pour certains trucs. Ouais, pour Emiel, mais on a beaucoup de Ouais, tu peux blancs. virer son Deux bleus Incestus. pour le mythe. On a besoin plus de deux blancs ou de deux bleus? Visiblement Deux plus bleus, c'est de sûr. blancs. Ouais, on a Emiel aussi en deux blancs. Alors vas-y, on va enlever l'île, non? Ok, attends, on a Celestus qui fixe, mais bon. Non, Oui, non, vas-y, mais vas-y. dans les cartes qu'on peut piocher plus tard, admettons qu'on perd Célestus, pardon. J'ai dit Sélectus. Silicutus. Deux points. Il va réanimer quoi le coco? Il va réanimer notre Il brigadier. peut prendre notre brigadier? Ouais, bah, je crois. Hein. Donc, ouais, Et c'est bien un ça. cimetière, ouais. Oh, j'ai une carte, oui. On en est là. Hein. Rien. Ah, bah, le fameux mythe. Et ça fonctionne un peu, mine de rien. Ouais, ça lui fait sacrifier son truc. Ça lui fait sacrifier son Attention, truc. si tu vas jouer Omnath, par contre, faut pas lander. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut Omnath Tu Land? peux Omnath Land éphéméré sur Omnath. Tu gloutonnes un peu. Tu vas chercher tes landes. Si tu fais Je mythe garde ça pour maintenant, plus tard, il je perd pense. son land. Ouais, je pense que c'est mieux Omnath J'aime bien Omnath là. Ouais. éphéméré. Le problème, c'est qu'on n'aura peut-être pas le reband. On tente, hein. Ouais, ok, ça me va. Pleine. 4 PV, fin de tour. Ah oui, je peux Ok, éphémérer fin enfin, de tour, en effectivement. éphémère. D'où le nom. Imagine Non, éphéméré, t'as un mais rituel. oui, d'où le nom. Ben oui, bien sûr. Ça pourrait, hein, ça serait déjà une bonne carte. Ouais, mais c'est bizarre. Oui. Éphéméré, ah, c'est un rituel. Rituelé, il l'aurait appelé. Rituelleré. D'accord. Putain, lui, là, je le sens, là. Tu vois, l'ultimatum de Genoche qui arrive, là. C'est trois bleus. J'ai trois bleus, Il deux verts, les deux a. rouges. Ah non, il les a pas. Attends, Marie, il fait quoi? Il manque de rouge. Non, son mari, il fait Golgari. Mais on dirait qu'il fait du bleu. Oui, c'est super mal fait. Non, il fait que du noir. Hein. Ah oui, non, il fait que du noir. Ouais. Ah oui, non, Mais il c'est. est de type bleu et vert. Mais il fait que du noir, donc non, c'est bon. Un poids en l'air, ça. Ultimatum, pas de suite. Mais tu sais quoi, avec le dessin, je trouve que ça c'est super joli. Ah Le oui, vert. hein, mais ça a beau être joli, c'est pas Ouais, compréhensible. mais non. Mais du coup, on voit bien que ça représente pas trop un marais. Ouais. Mais un beau land de Golgari. Mais mec, mais Mais t'es sinon, en fait. juste tombé dans notre piège en fait, gros. Juste le piège. Allez hop, on pioche une petite carte avec le petit mat. Hey coucou, Bim. hey coucou. Avec un petit lent, mais tout est bon. Tout est bon dans le gochon. Détestable les gens qui parlent comme ça aux enfants ou aux chiens. Ou aux enfants de chien. Les chiots, quoi. Hey coucou. Je rigole, Ah! peut-être que quand je serai père, je le ferai aussi. Il y a une moto dans ton salon, dans le salon de ton voisin. Il fait juste des burns. Il
Il est énervé, il monte sur sa moto dans son salon. Juste en roue libre. Il fait des biens. Ça permet de gagner 4 mana, non? Si je copie un land, me semble-t-il. Hein. 4 mana? Ah ouais, avec Ornat. Ah ouais, si tu fais land et que tu copies un land? Eh ouais. Je crois, ouais. Après, veux-tu? Après, je peux aussi copier un Omnath. Non, c'est la merde. Non, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut tout faire. Vraiment, je suis. Je ne sais plus quoi proposer tellement c'est insane. Je pense que tu peux. Relieur. Land passe. Ah ouais, tu veux tranquille. Pas faire une grosse Krasis? Et justement, on la prépare. Ah, d'accord, ok. Terrain arabe plutôt? Tu préfères Terra? Ah oui, tu veux garder un max de land. Ok, ok. Une petite paire. Et là, si tu veux apparition pour repasser en la vrai, journée. Il y a ça qui nous permet de blinker si jamais il veut gérer Omnat. End of turn. Je crois qu'on n'a pas besoin de notre lutherie pour l'instant, on n'a pas de spell. On pourrait copier un mid d'Iluna, cela dit. Ah, on a joué deux trucs. Il y a le Omnat qui a été play, est-ce que ça marche? Ah oui, ah oui non, on a joué l'éphéméré, ouais, bien sûr. T'es en prédiction, du coup, c'est bon. Ben, c'est vu. C'est Gloudonus là. Mais du coup là il va essayer de copier Omnath encore avec son truc. Mais notre deck est vraiment bien. On a beaucoup de cartes puissantes. C'est souhait. C'est juste que bah on a beau faire des choses puissantes, si un, il caste un spell à 8... Bah, il faut espérer qu'il soit pas trop puissant. À 7 ou 8 c'est compliqué quoi. Mais là le truc cool entre guillemets c'est qu'Ultimatum ça peut ne pas être incre. Dis-moi ça. Alors que l'Ultimatum Mardu... Bon, ça va forcément tout nous casser. Je crois que je préfère prendre Ultimatum Mardu, ça casse tout, mais derrière, t'as ta main, tu peux essayer un peu de... Ouais, ça dépend de la situation. Je prends Ultimatum de Genèse, moi je faisais ça avec Zakama, je détapais tous mes landes. Ah, mais toi t'étais port. J'étais le port. T'étais port. Ouais. J'étais le port, c'était moi. Alors là, tu peux land faire une grosse Krasis, Soleil Immortel. Je fais juste un Soleil Immortel et je suis le boss, quoi. Attends. Soyons malino. Pose un petit land. Je suis le roi de la France. En rouge. 4 PV, phase d'attaque. Non, pose casseuse. Soleil. Pose casseuse. Pourquoi casseuse? Parce que tu fais casseuse, phase d'attaque, et t'as de quoi poser ton soleil. Ah putain, il est bon celui-ci. J'ai recompté au cas où. Non, mais c'est bien. Sauf si t'as l'anti-bête maintenant, mais bon. Je pense que ce sera pas le cas. Oh! Razor. Et là, tu mets ton petit soleil. Gros, c'est trop. C'est trop. C'est insane. On le fait ou pas? Oh, ah bah oui. Mec, ouais. J'ai peur que ça soit trop. Casseuse, c'est trop bien. Bonne carte. J'adore la carte. J'espère qu'elle sera jouée en standard. Et là, l'oppo, il se dit putain, son Omnat, j'ai jamais pu le gérer. J'ai tout fait, j'ai là, jamais il pu. Il va pouvoir faire une petite copie. Une petite copie. Une petite. Et ce qui est bien, c'est que quand il fait des copies, bah nous, on a un soleil immortel. Donc nos copies sont plus grosses de base. Allez, ciao. Omnat la grenouille. Ah, il copie ça. Casseuse de figure. Incroyable le token. Casseuse de figure professionnelle. Donc là, t'arrives dans la forêt. Tu vois une grenouille avec un petit chapeau. Et elle te casse la figure. Et tu lui dis, mais. Qui êtes-vous, jeune grenouille? Elle te dit, moi, je suis une casseuse de figure professionnelle. Je suis juste une boxeuse. Pas mal. Tu veux venir sur mon ring? C'est à 2-3 marées, là, sur la droite. Allez, viens. C'est au marais, là, à côté. Là. Ah, celui-ci, c'est là, le ring. Ah, putain, il a réussi, ça y est. Il a le Omnat. Et ouais. Bah, du coup, maintenant, on va vomir notre value et... Ouais. Bleh. Ah ouais, mais il y a ça aussi. Non, c'est trop. Waouh. Attention, pas trop piocher, hein. Non mais just waouh, mais t'es rendu compte de ce qu'on peut faire. Juste le bourré je crois. Il y a tout bourré. Qui coûte un de moins, non mais qu'a-t-on fait 9 avec le trésor, ça coûte 10, donc tu peux faire un Krasis, ça x égale 4. Qu'a-t-on fait. Et tu vas le faire. Bah ouais. Tu vas le faire. Je vais le faire, maintenant. Tu seulement. Tu. La grenouille. Est-ce qu'il faut la gérer cette grenouille? Non, on s'en fout. Je peux aussi copier tout son board là, tu sais. Pour la gérer, c'est un peu chiant. Hein? Mais c'est pas grave, je suis content d'avoir du mana. Ah, je suis pas déçu, un peu déçu. Hein. Ah non, c'est x égale 8. Pardon. TKT. Je croyais que c'est 2 fois x, j'ai oublié Krasis. TKT, c'est lourd. Ah non, tu voulais faire Keruga après? Je pense qu'on va Keruga maintenant. Ah, ouais. Vas-y. Je peux lander d'ailleurs et Keruga sans utiliser mon token. Ouais. Tiens, tu lui chies dessus là. Plus vulgaire, hein, mais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop. Mec, je vais juste mourir. Non, t'inquiète. Je vais juste mourir à la. Ouais. Oh, tu fais Vivienne ton prochain. Qu'est-ce qu'on enlève là? Ouais.
juste mourir à la, au deck. Et j'ai eu un spot sur mon dernier, dernier cube où je pouvais lutrer un ultimatum de genèse. Je l'ai fait. Et non, parce que sinon je pense que j'allais mourir au deck. Ah, dommage. Mais la possibilité existait. Pour crever comme ça. Oh, je crève, mais c'est stylé, tu sais. Ok. Non, c'est pour piocher. Ouais, okay. Ça, ça détruit une bête, c'est ça? Ouais. Roule ou ça? Ah non, il gagne des peuples, il meurt, je crois. Tu l'as t'écrasis? Ouais, il va sûrement tuer la petite crasée, ça. On a 5 tours pour le tuer, hein. Je préfère le préciser. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je commence à me poser la question, tu vois. S'il faut pas arrêter de faire des dingues. Ouais. Bon, là, après, on va pouvoir lutri, double dilacéré, bourré. Il se passe quoi, ça, quand tu fais revenir un drop 3 au moins? Ah oui, il nous fait double cavalier de la nuit, bon. Il a que des anti-bêtes. Ouais. Vraiment, il a fait que anti-bêtes, 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 anti-bêtes. Bête, 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 bête. Kiruga, salut. Mais il a fait son job, hein. Ah oui. Moi, je peux pas lui en vouloir. Quand c'est bien fait comme ça, je... Quand c'est bon duel, de toute façon. Eh oui. Oh, le petit 1 point qui respecte rien. Petite grenouille qui fait un petit trésor. Elle a un CCM, cette grenouille, oui. On va, ouais. On va juste la, la voler, hein. Non, c'est un token. Ah oui, donc on va pas la voler. Ouais, non. Eh ben, c'est Tipar, écoute. Grosse volée. Voilà. Ça, c'est fort, ça. C'est bien. C'est... Ah bah voilà, c'est tout, merci bien. Tout est très fort. Alors bon. Land, Mage Chasseur, Caracal. Même. Tu penses? Mage Chasseur, c'est sûr. Il faut pas aller gérer ça. Comment? Bah, tu peux lutri en main, dilacéré, double lutri, double dilacéré. Ça fait quoi quand ça meurt? On va sur champ de bataille, garde de créature de 3 au moins. Il a rien à réanimer. Ouais, son vizir, par contre, faut pas le tuer parce que sinon il recopie cavalier, faut tuer l'autre. Tu crois pas à cette séquence là? 3, 3, 2. Ouais, tu te fous le tap pour faire ça. On se fout le pas, hein. On se fout le tap pas totalement. Il reste de mana. Bon. Des cartes, hein. Non, tu préfères juste dégueuler le board et. Ouais, je crois que dégueuler c'est bien et je gère après, moi. À 30 pev, donc. Ouais, le mec, il préfère dégueuler, quoi. Bah, vas-y. Ouais, c'est bien, j'aime bien vomir. Ça nettoie. Dégueulons. En plus, tu fais plein de boards avec ton soleil immortel. Ah putain, on peut aussi Emiel. Emiel, 3 mana, blinker sa fin de tour. Oh. C'est juste mieux, hein. Ouais, vas-y. Ah ouais. En fait, ça protège notre board et miel, donc c'est gratuit. Tu penses que ça se prononce Emile en anglais? Emile. Emile. Et pas d'attaque, hein? Non. Ah, on peut aussi juste mid Diluna, un cavalier. Et là, on peut plus, je crois. Si, je peux. Juste que je perds le. Non, mais vas-y, fais de la value grâce. Réfléchis pas, réfléchis pas. Je peux payer tes murs, ouais. Ah non, je peux pas payer tes murs. Non, il faut deux bleus. Ouais. Non, alors on va garder miel. Pour payer tes murs, il faut payer à 4. Ouais, ouais. Ah, du coup, vu que ça coûte un de moins, ça empêche d'utiliser la capa. C'est vrai? Ouais. Non. Bah si. Tu peux pas surpayer? J'en mets un de plus. Non, mais je suis large, ça me fait plaisir. C'est pas, on va juste copier un cavalier, du coup, on va pas le faire se battre. Oh la nombo du deck, il est pourri ce deck. Oh la nombo, frère. Pourri, ce éclaté, deck. Quoi. C'est sûr que carte est mieux, le problème. Hein. C'est marrant ça. C'est toujours les Temur qui ont le mauvais rôle. C'est toujours Temur qui a le mauvais rôle. Ça va par contre. Oh, je déteste cette carte. Arrête-toi, gros. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, bast. Didou, didadidou. Elle est tellement genre méprisante. Ah, il n'y a pas d'effet. Je veux le faire du coup. Ah, bah oui, oui, oui. C'est là pour ça, Val. Pourquoi pas d'effet d'ailleurs? À quel moment tu fais pas d'effet? Il veut pas se mêler? Si, il veut se mêler. Et c'est mêlé. Non, je vais pas payer pour les buffets. Alors! Terre agricole? On va d'abord copier un cavalier si ça t'embête pas. Mais non, tu peux pas. Bah, ça va détruire un cavalier. Ah oui, pour faire l'effet, pardon. Ouais. C'est le bon, hein? On peut. Oui. Tu peux copier Liliana aussi. Tu peux mêler et crever. Je paye pas. Non. Je sacrifie un ça. Un petit loulou. Ouais, ouais, merci. Merci, Loki. Non, mais parce que j'avais peur qu'il parte pas. Donc il fallait imposer. Si tu veux, ça devient gênant. Il fallait imposer là. J'étais en train de discuter, lui. Il ne répondait plus. Du paquet. Bon, ça fait bizarre. Je regarde quand même son deck par politesse, mais je m'en fous. Ça aide pas. T'es devenu un diable, Val. Vais-je me faire karma pour cette action? J'espère pas. Parce que le moment où on fait ouais, on pêche plein de cartes et qu'il fait cavalier, cavalier, je me dis ah, quand même. Puis après, ça va. Gros, il a juste fait anti-bet, 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 anti-bet. Et nous, on fait que des cartes qui font je joue ça et derrière, ça me fait piocher 10.
Pour Dieu qui gagne. On fait du 10 pour 1. dans un cube où il faut faire du 2 pour 1, on fait du 10 pour 1. Oui, donc c'est bon. Donc on est y bien. Y a pas de problème. Anti-bet sur Kiruga. Ouais, mais j'ai draw 3 poteau avant. Mais c'est tellement primaire ce qu'on fait. Genre, on pioche plein de cartes. Mais c'est pour ça que ce cube. Et me... que des bonnes cartes. C'est pour ça que ce cube me fait rire, mais il a pas une grosse jouabilité. Non. Voilà. T'as compris l'idée, quoi. Tu joues que des decks soupe. Ouais, ouais. Tu peux avoir une bonne soupe. C'est ça. C'est ça. Je préfère le cube plus traditionnel. Comme on a eu le Rethamer la dernière fois et là le chromatique, on aura peut-être le traditionnel la fois d'après. J'y crois, à mort. Oui, bah ce serait bien. Ouais. Bah ce serait bien d'ailleurs que le cube soit quasiment dispo tout le temps aussi. Oui, aussi, bien sûr. Mais ça crée une petite hype, cela dit. Oui. De le mettre une semaine tous les 3 mois. Ouais. Je dis ça comme si c'était après, pas c'est du vrai tout que... une qualité. C'est vrai qu'on a quand même attendu 10 minutes pour que ça tag. Donc au final, c'est ouais. Pas non plus très très joué. La main insane. Je pense que c'est jouable, c'est regardable. Après, on a beaucoup d'interactions. S'il joue Ultimatum de Genèse, c'est pas ouf, tu vois. Okay. Il va faire son truc, là où il va chercher un land, on fait foudre, il fait pas. Ah non, mais oui, putain, c'est encore Loki. J'étais passé à l'opo d'après. Il a déjà gagné cette game. Le karma que gagne cette game, Val. Tranquille. J'étais là. Oh, il a peut-être Ultimatum de Genèse. C'est maintenant, là. D'accord. Ça va arriver. Ah, il s'en va? Non, non, attends. Faut qu'il valide sa main, par contre, sinon ça marche pas. Allez, Loki. Allez, Lokito. Il va se passer quelque chose, Val. Il va partir, de dépit. Non, non, t'inquiète, il va se passer un truc. Oh, Loki, merde! T'es en train de gâcher tout mon... ton happening. Mon élément de suspense. Super, je boude. Bon, bah, désolé. Oh, voilà! C'est ça! Oh! Ils arrivent comme ça, là. Incroyable. Putain. En plus, sur ce décor... Mais pourquoi on joue aux cartes, bien. Là? Goumez-vous, là, les deux. Allez, là, on se bat. Et il est en bulligan 5, on va le bourrer, gros. Il y a des gens qui... Bah, je crois que c'est Phronolive qui disait, par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas encore d'auto-battleur MTG, parce que ce serait juste une énorme dinguerie. Ce serait bien. Je suis en mode, ben oui. Tu peux bazarder ça, en vrai. Ah ouais, ouais. Ah, je te la mort des landes, c'est trop bien. Un jour, je vais faire 6 mana, maître. Et il m'en faut 6, hein. Et je ouais. Pas 6, hein. Je vais chercher d'autres trucs. D'autres que trucs. Je vais y aller d'autres landes encore. Je vais mettre une petite forteresse. On pouvait mettre lande d'étape pour recycler la terre arable, mais bon. Non, on va le garder. Je te dis, je veux 6 landes. Oui. T'as pas compris. Et c'est quoi, hein? Ouh, ça va crever, ça. Viens, ça crève, on réfléchit pas. Je lis pas, en fait. Ah ouais. Tu veux maintenant. Créature, dégage. Je peux la tuer? Je la tue. T'aimes plus? À un moment, c'est trop. Je crois que je vais prendre Nutri en main. Ah ouais, tu préfères? Ouais, gratuité. Ouais, hein. T'as raison. On a triple vert. Du coup, on va avoir double... Ah ben non, mais on aura... Ouais, on aura plutôt vert, du coup, vu qu'on aura double rouge. Et que le rouge ne sert pas à grand chose dans ce deck. Lutri. Lutri. Lutri, la flash, on devrait pouvoir le prendre en flash. Il est banni partout, donc au moins on cube, tu vois, on fait des bêtises avec. Oh, ça fait quoi? Ça fait piocher, ça, non? Un peu, vite fait. Ouais, ça fait quoi, dilacérer? Ah, péter ça, hein. Vas-y, pète. Ah, péter ça, fort. Bon. Dégage. Temple de la profusion. Rapport carte en main par rapport à nous? 1000-0. Ok. C'est le score. Ça s'affiche. Par contre, les manas, c'est bon, on a compris là. Ouais, on a les 6. C'est bon, envoyez du lourd. Attends, il faut pas 7 pour un truc. Pourquoi? Non, il y a que non, Trasis qui demande de mana. On demande 12. Il a fait t'as vraiment l'impression qu'il. Non, non, j'ai cliqué. Qu'il le maîtrise pas. Ouais. Alors vraiment, genre, il vomit en fait. Il est trop puissant en fait, son G. Tyrolieur. Ouais. J'aurais pu faire. Non, j'aurais rien pu faire, je dis de la merde. Rien faire. Non, en fait, je me tais. Excusez-moi. Prochaine tour, tu maîtrises pas un petit maître chasseur de Turbo Lara. Oh. C'est faible, hein. 0-0. Je veux pas dire, mais cette action est faible. Et surtout quand on va jouer Turbo Lara, il va se dire putain. Putain, quoi. Pas les mêmes cartes, quoi. Je vais copier celui-là. Pas les mêmes cartes, quoi. Oh, passe ton tour. Passe turn. Passe ton tour. Passe turn. Passe turn. Oh, Lancelot. De prix, ils ressemblent pas du tout. Non. À carrure un peu. Oui, solide. À carrure. Séquence émergente. Oui. Qu'on peut passer au prochain adversaire qui va nous battre avec un ultimatum de Genèse. Histoire que je devienne officiellement l'oracle de YouTube. Tu sais que je suis passé dans un best-of ouais, j'ai vu, américain. Ouais. Toi sur celui d'avant et moi sur celui d'après. Ouais, en étant un oracle. J'ai vu ça. Oracled. Oracled, mais c'est mérité. J'ai dit je fetch marée, je pioche à choc. Fetch marée, je pioche à choc. Tranquille. Pépouce. Et moi j'étais en mode. Oh, j'ai mis ce clic. Non. Un peu de jouissance dans la voix presque.
J'adore Bisclick. On va relire les blocs gratos là. Ah, mais du coup, il bloque pas ça. Et du coup, il pioche pas. Ouais, il va piocher. Et du coup, tu lui donnes du coup, je mets deux. Le truc pour qu'il copie ton match chasseur. Il faudra bien garder le mana pour un jeu de resto. T'inquiète. Pour pas qu'il l'embaume. Éclaté. Embaumement. Cet embaumement. C'est une belle histoire. Je prends. Non, si, si, je prends. Je prends, bien sûr. Bien évidemment. On va lui donner le mana, embaumement, tout ça, t'as vu. Si tu veux lander, tu peux mettre terre arable. Oh, bah, c'est bon, on a du mana. Hein. Ouais. Bah, alors, mais TKT. Un petit mana bleu. Oui, il fallait mana bleu. TKT donc, et là, on passe à la nuit. Il est on foutu. Passe à la nuit. Le mec, il est foutrax, quoi. Il est foutrax de bout en bout. Tu pars de là. Tu vas jusque là. Foutrax, bah, foutrax tout du long. Vraiment, sur le panel des possibilités, foutrax à tous les niveaux. Mm. Ça fait chier, quand même. Hein. Mec, j'ai l'impression que c'est tellement au-dessus de ce qu'il fait, ce qu'on fait aussi. Tout de même. Ils ont tous que des mimiques. Ou une copie de n'importe quelle créature. Ah merde, du coup tu peux pas blinker. Non. Ah non, ça marche pas blink en réponse à un clone. Non. Je disais blink, mais non. Je veux quand même blinker. Je disais non, mais blink. Attends, mais tu peux pas le faire se battre. Il va se battre contre... Non, c'est un autre. Ouais, non, ça va être le même. Hein. Un autre loup-garou ciblé. Je peux faire se battre ça contre ça, si je veux. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Vas-y, fin de tour. Hein. Pourquoi fin de tour? Fin de tour résolution. Peut-être qu'il copie les reliants de circuit. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai. J'ai pas pensé à cette option. Eh. Eh oh. Eh oh, eh oh. Le nouveau son de Mano. Il hésite, là. Alors, est-ce que je prends un petit loup? J'ai appris dans une vidéo totalement random qui m'a été proposée. Alors, attends. Oui. Est-ce que, du coup... Je crois qu'il faut juste le blinker. C'est mieux que de faire se battre un 2-2 dans ça, hein. Les deux, hein. Non, je crois pas, ouais. Alors, vas-y, on va le faire. Vas-y, blink. J'ai pas une grosse culture rap, mais j'ai appris que l'album Panic Celtic de Mano, avec la tribu de Dana, a remporté les victoires de la musique devant NTM et Arsenic, le fameux album Quelques Gouttes Suffisent, et que ça a... Je sais pas du tout. Fané l'entièreté du rap game. Ah bah... Genre, ça a créé vraiment une dissension entre victoires de la musique et le rap. Cela dit, on aime tous la vallée de Dana. Mec, la vallée de Dana, incroyable. Oh, dommage, il te manque... Ouais. Et il te manque le bien payé. Mana blanc. Eh ouais. Rip. Dans cet thème, il devait être très content d'être battu par Mano. Mais sur des albums en plus iconiques dans la culture rap des années 90, tu vois. Ça te... 90-2000. Ça te pousse à l'humblerie quelque part. Je sais pas si c'est le constat qui a été fait. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Loki se barre, il a vu quoi. Il n'y a rien à faire. C'est pas la fin de son tour, c'est sa phase d'attaque. Tu t'en battais les couilles. Ah, c'est sa phase d'attaque. Oui, j'avoue, rien à faire. En fait, t'attendais un créneau. Oh, j'y vais là. Ah, je balance mes cartes. En vrai, ça change rien quoi. Il a plus de quoi jouer donc. Ah, il peut jouer un rituel pour un mana noir. C'est vraiment pas. Donc, ça va. Un mana, ça veut dire que c'est monocoloré et en plus c'est bad curve, c'est vraiment pas ce cube. Vraiment pas la possibilité du cube. C'est pas aujourd'hui. Non. Ici, et ce sera pas demain non plus. Allez Loki, si tu peux te bouger le cul pour que je puisse aller manger et aller streamer à 14h. Pas grand chose à donner à manger en plus, donc vraiment. S'il vous plaît. Tu peux avoir faim quoi. Enfin, on commande quoi? Gros, c'est un principe que dans le cube, quand tu te fais rooster, du coup tu. FF? Ouais. Ouais, c'est chiant. Pourquoi les gens font ça, putain? Hyper chiant. Non, c'est hyper chiant. Ça, ouais, c'est dingue. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, mais toutes les personnes qui jouent font ça. Oui. Ils sont où les gens sympas sur Arena? Dondestas. Dondestas, Yolanda. Merci. Ah, voilà, montagne. Merci. Je fais quoi? Double éphéméré là? Je deviens fou quoi? Tu fais un max de loup. Je peux éphéméré, ange, ange, chef, double éphéméré. Ouais, fais-le en phase d'attaque, comme ça tu crées tes loups. Ok. Je vais lander avant, mange pas de pain. Le pain sera pas mangé. T'as pas la portée? Non. On regarde comment il bloque et je le fais en bloc. En vrai, t'aurais pu attaquer tous tes loups. Il aurait bloqué 7-7 contre 7-7.
pour s'en débarrasser. C'est très malin. Loki, please. Il est parti. Même ma vessie va t'exploser. Il a pile 3 manas. Voilà. Et non, il les a pas. C'est marrant. Non. Il a pile un mana. Bah tu sais quoi, la prochaine fois on draft un deck un peu plus nul. Comme oui. Ça, j'en parte pas. Exactement, comme s'il reste. Et après on sort les vraies cartes. Parce que par contre, quand on prend 0-3 sur le dernier draft, c'est pas de problème, ils sont ça là les oppos. Ah bah oui. On draft un bon archétype, c'est open. Et puis on tombe sur Dieu quoi. On tombe sur des mecs, ils ont des zones con en 4 exemplaires. Putain, il avait vraiment FF quoi. Mais putain, mais pourquoi on tombe sur deux personnes consécutives, l'image que ça donne au jeu. Je te jure, ça on en rigole ou quoi, ça me fout en l'air gros. Bah oui, il pourrait juste concéder quoi. Ça me fout en l'air. Il fait échappe, concéder. Je trouve que c'est d'une non-politesse, d'un incivisme, ça me rend fou quoi. Et puis ça donne une image, mais moi c'est énorme. C'est le jeu sur lequel je m'investis, que je défends corps et âme depuis 4 ans. Et voir que bah, malheureusement, les gens qui jouent à ce jeu actuellement, ça se répand, tu vois. Genre là, deux coups sur coup, tu vois. C'est une maladie. Ça me fout en l'air, gros. Ouais. Après, c'est les gens, c'est pas le jeu. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, tu vois quelqu'un qui débute sur le jeu, il fait son premier cube, il prend plaisir. Il se passe ça, il a le seum, tu vois. Je pense pas. Je pense qu'il se dit, putain, j'ai win. Victoire facile. Il s'en bat les couilles. Ouais, peut-être. Après, si toutes ces games, en fait, elles prennent 5 minutes de plus parce que les mecs découpent pas... C'est très commun sur la majorité des jeux vidéo. Dans le monde du gaming, c'est très commun de FF. Ouais. Très commun d'avoir des parties qui dodge et tout. Mais sur Magic Arena, on était quand même dans la globalité assez prémunie de ça, tu vois. La globalité. La globalité. C'était quand même, genre, moi, pour avoir un peu joué à Call of Duty, et toi qui as pas mal joué à LoL, c'est très commun ce scénario-là. Ah oui, ah mais à LoL, moi... Call of Duty FF, enfin vraiment en la match... La seconde où t'as le droit de concéder, oui. Je demande. Genre, y aller, s'il vous plaît. Finir un deathmatch à Call of Duty, c'est super rare, tu vois. T'as toujours une équipe qui prend l'avantage, killstreak et compagnie, FF, ciao, tu vois. Ah, tu peux FF dans Call of? Ouais. Ah, je m'en rappelais même pas. Ah, si tu donnes, tu vois. Excellent. Mais du coup, à Magic, comme on n'est pas habitué à ça, bah, ça me fout le seum que ça, que là, ça soit assez commun, quoi. Ouais, il n'y a pas son dragon, lui. Petite plaine, pépouze. Ok, il joue Bant, les bonnes couleurs. Il joue au moins deux de ses couleurs. Oui, c'est vrai, il peut aussi splasher un deck bicolore. Enfin, il peut aussi fixer, pardon, un deck bicolore. Ils ont tous ça. Ils ont tous ça. Mais vraiment tous, hein. Oh, mais t'as plus de portraits, ça. Oui, je suis con. Personer. The Cloud. Ce qui est bien, c'est que ça va nous donner une indication sur ce qu'il joue. Oh! Oh putain. Quoi ça? Des murs. Je pense que ça va être pas mal ça dans notre paquet. Ça va bien marcher. Soleil immortel. Soir. Oh, il joue Blink et il a une synergie focus visiblement. Berger des âmes, c'est très fort. Ouais. Attention à Blink et ça. Hein. Mais ça va juste redevenir un land, je crois. Donc c'est encore mieux. C'est juste ah fort ouais. Quoi. Juste bien. Bah on prend un petit lutri en main. Hein. Ouais, ah mais si tu fais ça, tu défausses. C'est pas ouf. Hein. Je l'en des blancs, hein, parce que tu sais pas encore ce que t'as besoin. Ok. Ouais, je crois qu'en fait c'est pas ce terme. On l'institue. Ça, si on le gère pas vite, c'est game. Ouais. Tu peux gérer ton prochain. Ah non. Est-ce que tu fais bloc éphéméré ou pas? Tellement mieux éphéméré, je pense. Ouais. Non, je crois pas. Et on fait rien pour 4 encore, hein, c'est chiant. Ah si, on va faire un mythe. On copie son berger, non? Tu peux mythe et copier le berger, ça marche bien dans notre synergie. Ouais, c'est cool. Ah bah, simulacre, parfait. Je crois que c'est mieux simulacre. Ouais. Hein. On va chercher forêt. Ouais. Là, on peut pas mythe, c'est ça que tu te dis? Ouais, on peut pas mythe. Je peux aller chercher le rouge, on a pas besoin de rouge. Ouais. Ok, attends. On a besoin de rouge que pour Iluna. Donc, un cas, ça va. Même pas. Hein. Ah non, c'est un, ouais, un mana pas. Hybride. Même pas. On est là, on est bien. Par contre, il a rien à jouer avec son berger, c'est une bonne nouvelle. Chercher quand même l'an de vert, là, à mon avis. Pour Vivienne, du coup, faut le trouver à la main.
Je ne veux pas prendre le risque de me prendre une bête flash, une vagabonde, un truc oui, comme ça. Vagabonde, mais il va faire rien. Pardon. Une bête flash. La bounce. Ça boune juste. Ça boune, ça coûte un de plus du coup. D'accord. C'est pas mal. Ouais. Bah, tous les tours, il peut le faire. Je crois qu'on va Iluna le tour d'après si jamais on trouve un mana. Je peux pas sur Façonneur. Pourquoi? Il est humain. Ah putain, il faut que ça soit. Mutation, c'est non humain. Ah putain, fait chier. Waouh, il a un super deck. Ouais. Il est que tru. Il a un. Il n'a pas trouvé un land. Pas deck. Enfin, pas avec son récif. 3, 4. Il y a bien qu'un récif. Ouais, c'est l'enfer. C'est un peu dur. It is un enfer. C'est vrai que Berger des âmes, je l'avais pas moi dans mon deck. C'est super. Ouais, genre quand bah, c'est Tassa et ouais. Et cercle, bon, plus facile à tuer, mais je pense que les stratégies très focus de Blink sont pas si mauvaises, hein. Moi j'entendais Thierry et toi me dire que c'était pas très bien. Moi j'ai perdu une game avec mon deck ultimatum de jeunesse complètement fou contre ça. Alors mets-y un petit land, je vais d'abord des fricheuses et puis on voit, ou alors je mets un petit land et du coup je garde éphémérette. Hop. Ouais, c'est pas mal, plein ça. De cartes à piocher, plein de cartes, gagner des PF, c'est bien. Okay. On va discard la terre arable. Ouais. Je fais bourrer au façonneur, là, c'est mon choix de pain. Coup, ça on va garder en bloc, hein, on est à 16. C'est pas le jeu, t'as raison. C'est pas le but. On est à 16, on est derrière, surtout sur le board. Là, le problème, c'est qu'avec Berger, il continue à blinker récif ou videuse. Enfin, il se met bien, quoi. Si blink videuse, on va juste blinker, nous, notre défricheuse, donc ça va. Mais ouais. Il continue à blinker récif, ça va être chaud. Parce que s'il avance vers les manas pour champ des morts, on va avoir du mal à battre ça. Hein. Je pense qu'il va blinker récif. Là, il trouve pas de land, donc. Ouais. Ah. Eh ouais. Après, en limité, Champ des Morts fait peu de tokens. Non, bien sûr. Il y a un nombre limité. Tu vois, si la game dure, de manière résiduelle, à tous les tours, il faut un token, c'est quand même relou, quoi. Là, faut se dire que du coup, il faut qu'il ait encore un land différent. Ouais, ouais. Ça n'a pas l'air très dur d'avoir des landes différents quand même. C'est pas dur, mais genre, il faut, tu vois. Ouais. Et ensuite, une fois qu'il a fait 7, ça veut dire qu'il fera 10 tokens dans la partie. Donc on a 10 tokens à battre. On a 10 tokens à battre, ouais. Non, c'est entendu. Pour notre moins... deck, c'est acceptable. Ça fait moins peur, disons. En fait, ça dépend s'il les fait 10 en mode sur 10 tours ou les 10 en 3 tours. Sur 3 tours, ouais. C'est ça le problème. Commencez à chumper, hein, ce berger. Je crois que tu vas chump à la défricheuse et la éphémérie. Ouais, ouais. Le premier mercredi du mois. Ça y est, hein. Ils sont là. Différents. Ils sont là. C'est une humaine aussi. Super, Iluna, ouais. En fait. Genre, excellent. Pas le meilleur truc à piquer. Pas le seum, hein. Pas du tout. C'était pas mauvais, mais bon. En fait, notre seul non-humain, il l'a renvoyé en main. Ouais. C'est au bloqueur. Yep. One block. An ephemerate. Ephemerate. Il y a carcasse dans le cube, faut faire gaffe, il peut faire carcasse éphémérée. Ouais. Le problème ne sera pas éphéméré, mais sera... Ah, il y a des vents en arrière. Je crois qu'on peut partir, là. Ça y est, on est échec et mat. C'est pas dit, hein. On va ribon sur façonneur, c'est une catastrophe. Hein. Bah, on lui piquera une bête. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut? On n'a pas le mana rouge pour mythe et faire fight. On peut mythe dévoreur, bounce et berger. On lève de land. Garde deux cartes au-dessus. Putain, mythe dévoreur. Ah non, on va pas rebond parce que c'est le spell physique. Ah ouais, même pas. Oh, il peut blinky dévoreur encore. Catastrophe. Oh, il va pas le faire. Non. Il va pas le faire. Non, non, on non. On peut reset le berger des âmes justement en faisant mythe d'Iluna sur dévoreur. Ouais, ce que je disais. Mais si jamais on avait un mana rouge, on pourrait fighter le récif au passage. On mangerait pas de pain. Voilà. Putain, excellent quoi. Parfait. Juste excellent. Putain, tous les permanents s'allument quoi. Trop rigolo. Là on a le scry, c'est ça? Non, là on a le bas. On va se battre contre le récif. Contre le récif, ouais. Et on va. Bon, ça on va garder. Ouais, faut garder foudre aussi. Tu enlèves juste les landes. Ouais, juste enlever les landes, t'as raison. Et on va dans quel sens? Non, dans ce sens-là, ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. Ça dégage. Ah, ça dégage. Ça va revenir. Ça reset les tokens. Ouais, mais ça reset les tokens et on a de quoi bloquer le dévoreur. On est pas landé ? Non. Oui. Ok. Ok, on est là.
attaque avec tout, on peut manger un token du coup, accepter de prendre 4 sur le livreur. Vraiment un super deck. Bah il a notre deck en un peu meilleur je dirais. Bah, il a vraiment une synergie Blink très puissante. Ouais. Enfin, très focus. Ah, il a en fait, il a Air Sage Omnath. Il a berger des âmes qui a fait n'importe quoi, mais s'il avait pas berger, il blinkait que dalle. Ça, c'est ce que j'avais Air Sage Omnath avec mon deck Temur Ultimatum. C'était complètement pété. Ouais, il a un peu tout là. Ouais. Il peut même avoir Ultimatum dans son paquet hein, s'il se place du rouge. Hein. Genre, ça fonctionne bien. T'as des ponts naturels, tu rampes avec Simic. Il a du rouge, il a un Jardin de Jetmir, un trio. Franchement, il est. Je crois que si je devais faire un deck, je serais pas loin de ça. Ah ouais, si je devais choisir les cartes. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Il a tout ce qu'il faut. C'est les meilleures synergies du cube. D'ailleurs, ça me ferait kiffer qu'il y ait un mode cube, entre guillemets, où tu peux choisir ton deck de 40 cartes sans side, mais tu choisis tout. Sur le pool du cube, et tu affrontes des gens qui ont fait pareil. Et du coup, c'est un peu genre, on essaie d'optimiser. Ouais, si on peut mais à la fin, choisir, vite, on va résoudre quel est le. C'est comme une extension standard, mais en plus petite, quoi. À la fin, on résout vite quel est le meilleur deck, quoi. Ouais, mais ça prend quand même du temps, tu vois, un ah ouais, de 2-3 jours. Ouais, t'aurais 2-3 jours où chacun t'entrée mono rouge. Et justement, quand tu te fais défoncer par un type, tu recopies son deck. Ouais. Et après, tu relances, tu te fais battre par un autre. Bah, c'est ah, okay, littéralement ce que propose le standard, mais dans un pool plus réduit en singleton. Ouais. Hop là. Mais j'avoue que. Bah, genre, je participe à ça, moi. En fait, pas vrai. Enfin, c'est un peu comme le standard, mais avec des synergies beaucoup plus larges, du coup, puisque t'as pas. T'es pas quand on est un standard, c'est tu peux aller chercher des. Je sais pas, parce que justement le cube ça te propose autant de synergie qu'en standard, généralement c'est défini par une bicolorité quoi. Sur ça. Une bicolorité. Une bicolorité. Bill. Ce bon vieux Bill. Et il blink. Non mais viens, on s'en va là. Genre. Perdu hein. Bien oui, joué. Oui, ouais, je crois que. Bien joué. On peut y aller, ouais. Là, on lui montre moins de cartes. Ouais, on bounce le token, c'est pas possible. It's not possible. Par contre, il nous faut de la gestion directos. Ah ouais, il faut tuer son truc. Je suis à deux doigts. J'ai posé mon clown. J'ai posé mon clown. Dit la série, ça gère que un tour, hein, son berger. Ouais, mais ça gère d'autres petits trucs qu'il a envie de blinker. Genre, si joue Blink, il va avoir plein de cartes qui vont prendre feu sacré, je pense. Je peux virer Vivienne. Si Vax, il en contre lui. Ouais. Le immortel aussi, c'est un peu loin. Ouais, mais c'est value, quoi. Just a big value. On a pas mal de gestion, en vrai. Hein. Notre deck est... Caracal, c'est... Caracal, c'est peut-être fait contre les plats. Ouais, ça me va. Ok. Let's go. En vrai, on peut l'attraper. Hein. Du fait qu'on ait pas mal de gestion, je pense que lui n'en a aucune. Il a un deck super focus. Ouais. Si on arrive à gérer les cartes clés, dilacérer un cercle de téléportation, feu sacré, je sais pas, moi, un berger, on est là. Et la même avec des manas. Hein. Ok, fine. Bien. Regarde, 6, si je pense t'enlèves. Mon. Forêt. On va chercher Hilo passage. Ok, bon. On joue Jeskai, trop drôle. Non, c'est pas drôle. Trop drôle, lol. Juste c'est ce qui se passe, quoi. C'est le cas. On va brigadier quand même, tour 3, je pense. Pas vagabond. Ouais. Oui, non, brigadier, ouais, pardon. Je pourrais que tu disais enfin vagabond. Ah, bah super. Comme ça, il l'a. C'est vrai qu'il met 3 pace. Oh putain, j'en ai marre. Oh putain, je te burn direct. J'ai changé tout mon plan. Ça rampe, hein. Okay. Ça c'est super, hein, ça c'est à first pick quoi. Genre ça rampe et ça pioche, c'est trop bien. Trop. Ouais, quand bien. Tu veux des couleurs, tu rampes avec de l'incolore avec ça. Ouais, mais bon, en fait c'est tellement un rampe qui coûte peu cher et qui en plus se recycle, c'est quand même genre. Bien. Ouais. Content d'avoir ça dans ton paquet quoi, en cube. Oh, pas de land. Du coup, on va pas le tuer sans revire. Pas de land. Nous, pas de land par contre. Pas de land, bah du coup, je vais aller chercher. Hein. Vas-y, évoque ça. J'aimerais évoquer le vagabond les pensées. Si on n'a pas de land, c'est la fin du monde. Deux cartes. Sur combien de cartes on prend pas de land là? On sera pas aidé sur le match où on a le besoin d'être le plus aidé. Sur 13 cartes, on trouve 3 lands. Après, c'est magique. Hein. C'est juste que c'est dommage que ça tombe contre un match-up qui est difficile. Alors que les autres match-up, globalement, je pense qu'on les aurait battus même en descend. Bah, genre la game 1, on loupe le land drop, je crois. Ah, c'est trop fort aussi. Ah, gros, il a tout. Ah, il est bien. Hein. Ah, il a vraiment tout. J'avais même pas vu qu'il y avait Grodin dans le cube. Ah, à chaque fois, moi, qu'il y a Grodin, je la check parce que j'aime bien la carte. Plus hein. Célestus, parce qu'on n'a pas trop le choix. Après, Célestus, c'est. Je pense que c'est du power level de Pierre de l'Esprit. Hein. Vachement bien.
Attaque. Et en même temps, est-ce qu'on allait bloquer? Je suis même pas sûr. Bah, cette attaque, il trade avec une... Ah oui, putain, oui, bien sûr. Effectivement. Pour l'instant, il n'a pas pris trop d'avantages, mais on a loupé deux land drops. Il nous met vraiment Charlotte aux fraises. S'il pouvait jouer un ultimatum de jeunesse, ça rehausserait un petit peu mon mood. Ouais, au moins j'aurais, ah, bah, j'avais dit. Au moins j'aurais call, tu vois. J'avais dit. Là, il est pas prêt de le faire, mais... Non. Mais il a 4 landes sur 7. C'est trop fort, ça. Ouais. Oh, le Vren. Et il y a vraiment tout. Bon, ça, après, c'est une carte forte, mais ça marche pas dans ses synergies, spécialement. Mais la carte est forte. Je trouve des landes, hein. Pas dégueulasse non plus, hein. Voilà, d'engager pour notre plus grand plaisir. On est tellement loin ici, je vois pas comment on s'en sort. Je peux même pas kick ça pour gérer ça et aller bourrer là-dedans. Non, tu peux tuer Vren par contre. Hein. Je peux tuer Vren avec un petit feu sacré tranquillou. Et peut-être plutôt avec éruption, non? Tu gardes le feu sacré en éphémère? Ouais, je suis pas sûr. Je crois qu'éruption ça tue des plus grosses cartes justement. Ah, mais s'il fait berger là, tu vois, tu pourrais le tuer avec feu sacré. Ouais, mais là on en est plus là, hein, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il faut au petit, hein. Au petit, espérer qu'il ait pas tout. Je crois que quand les gens sont trop avancés. Attends, tu peux éphémérer un planeswalker, je. Tu peux tricher comme ça? Non, mais tu pourras blinker ton brigadier, ça nous fera avancer. Je pense qu'on le fera fin de tour, ouais, c'est clair. Genre on va chumper blinker. Hein. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien ça. Oh ouais, c'est pas mal. Il s'est demandé s'il pouvait blinker en vrai ouais. Son truc, hein. Coquingue. Il a tout quoi, les mecs ils ont tout laissé, c'est trop. Par contre il a peut-être pas Tassa et cercle de téléportation. Fin de tour, il engage notre brigadier. Ouais. Ah bon. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Rebound, c'est vrai qu'il l'a pas fait. Ah non, ça engage pas. Hein. Ça rend une créature imbloquable. Ah, ne peut pas être bloqué. Ouais. Je croyais qu'il engageait deux trucs, il engageait un brigadier. Pas du tout. Ça sera encore plus fort. Genre tu joues opposition, tu sais. Ah, les cartes sont fortes, hein. Après c'est Xenion Call. Après, opposition c'est genre... Une des cartes les plus fortes du cube, quoi. Bon, après, ça engage des landes aussi, opposition. C'est pas tout à fait pareil, mais. Genre, en cube, les gens, ils jouent Winnie White juste opposition. Splash bleu. Bon, ouais. Ouais, j'ai des créatures, tiens, upkeep, je tape toutes tes landes. Allez, ciao. Ciao, regarde ça. On en chie quand même. Hein. Ah, bah là, oui, on n'est pas aidé. Ouais, parce que la brasse. On n'est pas dans le cube. On a pas. Franchement, un cube sans brasse, sans contre. Y a pas de compte, mais y a quelques brasses, je crois qu'il y a des Mitouk Massacre, mais il y a des brasses qui sont pas clean, il n'y a pas 4 mana brasses, tu sais, il y a des brasses genre Cleansing Nova. Ah, Cleansing, ça va. Il y a 5 mana brasses. Oh, ouais, il y a ce type de brasses là. Ok. Parce que là, on dit artefact, il est pas content, tu vois. Ouais. Ou même créature, juste. Oh, oui. Après, nous, dans notre plan de jeu, on n'a pas trop envie d'avoir de brasses, donc. Oui. Super, c'est une carte, youpi. En fait, on est extrêmement lent et lui, il est extrêmement rapide. Bah, on a loupé de land drop. Donc il est pas tant rapide, c'est que du fait qu'on ait loupé de land drop, on est extrêmement derrière quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Eh ben écoute. C'est fricheuse là ou c'est. Mais chasseur, en fait, il nous bourre avec ses bedfly, donc. Je mettrais des fricheuses pour en attraper une pite. Ok. Ouais, une pite. En fait, faut avancer, genre là notre main elle fait rien. Donc, oui. Bon, ben, je pense qu'on est déjà échec et mat. Hein. Ouais. Alors son deck est quand même un peu meilleur que le nôtre. Et en plus, il fait une bonne sortie. Foudre, c'est pas piqué. Nice. Hein. Foudre, ça attrape bien Gredin, hein, vu qu'il a déjà passé une éphémérée. Je sais pas s'il faut pas foudre maintenant, d'ailleurs. Avant qu'il ait un truc pour blinker aux F, quoi. Ouais, peut-être. Alors, j'aime bien, quand même. En vrai, là, on est tellement derrière. C'est pas moi qui aime bien, c'est Georges hein, qui aime bien. Georges aime bien. Georges aime bien. Georges. Ah, je connais pas. Tellement derrière, mais si tu vois, si ça bricose un peu là, réfléchis à ce qu'on a dans notre deck, mais je vois pas ce qui nous remet Krasis. Bien. Krasis, ça nous remet pas si mal. En fait, il y a une 6-6 au sol et il a 6-1-1 en l'air. Ouais, il ouais, faut trouver une gestion à ça déjà. Putain, il a tout, hein. Tout. Il a drafté avec des mecs à la table, il n'y en a pas un qui a pris la synergie Blink. Et je me dis ça souvent, je me dis, j'aimerais bien voir quelle table il a drafté. Et tu regardes la table, en fait, il est tout seul. Salut, ça va? C'est sûr. Et il fait le tour comme ça. Ils ont tous drafté, je sais pas, mono red, tu peux pas le faire. Il s'ouvre les 24 boosters, et c'est bon, je vais faire mon petit deck, un peu pouce. Hop, j'ai tous les landes. Ça fait beaucoup, hein, quand même, entre les deux games. Hein. Ça fait beaucoup, là, non?
Je ne vois pas revenir de ces séquences-là. Ah, c'est bon, il est actif. On va pas s'imposer ça plus longtemps. Je crois que non. Bien joué Antofis, cela dit. Qui lui n'est pas parti, qui a drafté un bon deck. GG à lui. Il nous a déroulé. Mais en fait, c'est la version 3.0 de ce qu'on fait. Ouais, il avait juste une version plus focus. Nous, on était un peu moins focus. Mm. Bah, après, on avait quand même un très bon deck. Lui, il avait le deck parfait. Quoi. Ouais. It is a perfect deck. J'avoue que quand tu blinks 3 fois Gredin, c'est game. Je suis à peu près sûr qu'il y a un ultimatum de jeunesse dans son putain de pack et qu'on l'a pas vu. Je le sais. Je l'envoie un MP. Ouais, gros, juste dis-nous. Pour voir, tu l'avais là. Bon, de 1, c'est bien. Quand tu draftes un petit peu hardway comme ça, c'est ce que tu veux faire. Tu te rembourses ton draft, t'as gagné une petite rare. Pépouze, on est bien, on est content. Ouais. Putain, pour tout ce temps passé, j'ai gagné un prêtre, une prêtresse du confinement. Franchement. Ouais, mais tu t'es amusé. C'est ouf, hein. Oui, je me suis amusé. T'as amusé. C'est vachement. Payé pour t'amuser. Et on a fait une vidéo. Eh oui, donc c'était cool. Donc c'est bien. Fin de cette vidéo, justement. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description. Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch, Volpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.